Ah, 1986. Quelle année, mes amis? Mais vraiment, quelle année? Alors, écoutez le son comme ça a l'air joyeux, mais 1986, quand même, c'est dramatique, rappelez-vous. C'est l'année où la navette Challenger a explosé au décollage, quand même. C'est pas un super bon signe pour un shmup. Et pourtant, on va y aller, puisqu'en 1986 est sorti Gardia, ce petit shmup bruyant qui nous appelle et qu'il faut que je vous montre absolument en fait. N'ayez pas peur, c'est pas en noir et blanc. Donc on est pile dans la période 8-16 bits, tranquille. Et le pépère ne fait que récupérer un gameplay qu'on a déjà vu et revu. C'est-à-dire qu'il va emprunter chez Xevious, puisqu'on a un petit tir, plus un petit tir au sol. Petit tir au sol qui va demander beaucoup de précision d'ailleurs. Puis c'est l'espèce de ballon de foot qu'on voit au bout du vaisseau. L'autre truc, c'est que le jeu est quand même très vif. Et du coup, va falloir mériter pour en voir la fin, quoi. Et combat, il y a pas mal de bonus à récolter pendant son parcours. J'ai pas tout essayé et on va regarder ensemble, ce sera plus simple. Alors, un bouton de tir, oui. Et le bouton de tir au sol qui fait un bruit de fouet. Alors, comme si c'était pas assez simple, les gars ont trouvé le moyen de vous foutre les bonus au milieu d'ennemis. Et pas loin d'une tourelle tant qu'à faire. Et la tourelle quand elle est dépassée, ben c'est grillé pour la buter quoi. Oh, je le sens pas, je le sens pas ce jeu. Ferait-il partie des shmups verticaux qui demandaient de la mémoire eux aussi? Ben, il y a des fortes chances en fait. Ah, dégomme ça, vite. Non. Donc du coup, il vous demande de gérer beaucoup de choses en même temps, mine de rien, pour l'époque. Ah, purée, il va me gonfler lui. Ah, ils vont tous me gonfler en fait. Et du coup, il fallait être très très fan de la musique. Parce qu'en général, on recommençait souvent ce jeu, je crois bien. Ça passe. Oh, c'était un peu vantard comme ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais oui, je suis totalement d'accord. Mais ça canarde là-haut, dites-moi. Oh, c'est foutu. Alors, le jeu est loin d'être simple, hein. Il allie vivacité, petite perversion, courante. C'est quoi ce bonus? C'est un speed. C'est raté pour dégommer ce qui est au sol. Faut vraiment avoir une précision de ouf. L'autre il va m'emmerder là-bas, je le sens, je le sens. Je remercie mes longues séances d'entraînement sur Mushi, mais ça m'a. Alors, c'est vraiment pas sympa hein, ces bonus planqués au milieu. Le jeu se met ralenti en plus. Alors, à partir de maintenant, il va falloir que je me méfie aussi des ennemis qui. Voilà. Not from behind. Comme disait le poète. Ça va passer vite, les crédits, vous allez voir. Donc Gardia, c'est un jeu qui est sympa, c'est un jeu qui est bien fait, mais la vache, il est loin d'être simple. Et regardez-moi ces petits salopards qui n'hésitent pas à faire croire qu'ils vont sortir de l'écran, puis ils font attends, j'ai oublié un truc. Bah oui, flinguer l'humain, enfin, diable. Ouais, ne crie pas victoire trop tôt, c'est pas encore gagné mon poteau. Oh là 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 là. Non, 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 il est vraiment rude. Il est vraiment très rude ce jeu. Oh, mais non! Mais oui! Est-ce que j'ai fait mes 5 minutes? Presque. Mais je me force pas, je me force pas. J'ai envie de comprendre. Bah, je vous dirai, c'est un shmup, hein. Je crois qu'on a tout compris. Donc, il va pas y avoir. Oh, les tirs par derrière! J'aurais dû mettre mon t-shirt aujourd'hui. T-shirt qui sera d'ailleurs bientôt ou qui est peut-être déjà dispo dans la boutique The Big Gimowski, hein, allez jeter un oeil. Oui, c'est une institution le papa derrière.
on nous flingue pas un ennemi par derrière, quoi, même dans un mauvais jeu, quoi. Oh la vache, le petit retour de tir là, non mais laisse tomber. Salut. Non, c'est une blague. Va vite chercher ce bonus. Avant de l'avoir dedans ce qui rime avec. Oui, dans le cubitus. On va arriver devant un boss. Never surrender. C'est parti. Oh, qui est-ce qui va me réserver comme saloperie? C'est des bonus, ça? C'est quoi? Le mec, il fait tomber des trucs un peu vite de l'écran. Moi, je... Ça, c'est un bonus, ça. Ouais. Mais il descend. Il vient droit sur moi, non? J'ai une petite impression, quand même. Oh, ça va très, très mal se terminer. Ce boss est d'une fourberie. Oh non! C'était vraiment le anon du mec qui veut pas recommencer. Ça venait du fond du cœur. Non mais j'arriverai pas à refaire l'exploit d'avant, surtout quand il va être tout en bas, ça va être dramatique. On a fait nos 5 minutes sur Gardia, est-ce que tu es sélectionné? J'ai bien peur que non, mon pauvre jeu. Non, tu ne seras pas sélectionné. Tu es jouable, tu es pratique, tu es loin d'être moche, mais tu es d'une raideur qui va en décourager plus d'un. Même des gens qui auraient une version en cartouche sur la console à la maison. Sur cette musique, je vous laisse donc sur les deux streams habituels et le bouton d'abonnement. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.